la vie. Quel trajet! J'ai quitté de Maluku jusqu'ici à Massina à pied. Non! Je dois me reposer ici. Mais ce n'est pas ça la fin de mon parcours. Je dois encore quitter d'ici à Massina jusqu'à là-bas, à la commune de la Gombe. Toujours à pied. Tout ça, c'est à cause de quoi? Est-ce que vous savez c'est à cause de quoi? Je vais vous montrer. C'est à cause de ça. L'argent. Non, l'argent. Ça, l'argent. 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 Ça là, c'est beaucoup. L'argent, c'est un mauvais payeur. Non. Laisse-moi aujourd'hui m'attaquer à toi. Combien de familles que tu as rendues pauvres? Je t'ai beau. Regardez-moi aujourd'hui ce que je suis devenu. De tampons partout. Je suis tout noir. À cause de toi, l'argent. Est-ce que tu te rappelles d'où tu es venu? Pourquoi tu peux être un gars si à ce niveau? Avant que tu deviennes agent, tu as été debout de papier dans la brousse là-bas, tu étais arbre. On a pris l'arbre. On a travaillé l'arbre. Aujourd'hui, l'arbre a fait l'argent. Mais à cause de toi, combien de enfants sont dans la rue là? Tu sais, même un jour, il y a eu un pauvre qui est allé au ciel. Le pauvre arrivé au ciel, il a dit que j'ai besoin de voir Dieu. J'ai besoin de voir Dieu. Le ange a dit que, oh, attends monsieur, mais pourquoi tu t'agites comme ça? Attends, tu vas voir Dieu. Et puis les anges ont passé la personne près de Dieu. La personne est venue, mon Dieu, est-ce qu'on peut discuter un peu? Dieu a dit, bon, vas-y mon fils. La personne commence à demander à Dieu, mais Dieu, est-ce que tu peux me dire combien ça coûte l'éternité auprès de toi? Écoutez Dieu, tu es furieux, gentiment, poliment. Mais mon enfant, l'éternité pour moi, c'est une seconde. Le pauvre test du bébé dit, ah, donc l'éternité pour toi, là, c'est une seconde. Dieu a dit, mais oui. Le pauvre a touché la tête. Il s'est gratté. Il a demandé, Dieu, deuxième question. Est-ce que tu peux me dire combien ça coûte 2 millions de dollars pour toi? Et Dieu lui répondait avec une bonne tête. 2 millions de dollars pour moi. Mais ça valu à 5 dollars. Le pauvre, tu peux faire se gratter la tête. Mais il dit, mais Dieu, mais pourquoi tu m'as laissé pauvre jusqu'à ce point? Jusqu'au point de manquer même les babouches. Mais Dieu, donne-moi. Si 1 million de dollars pour toi, ça valu à 5 dollars, tu peux me le donner maintenant? Écoute la réponse de Dieu. Ben, je veux te donner, mais patiente un peu une seconde. Le pauvre toucha la tête évanouie. Il a compris qu'une seconde là, c'est toute une éternité pour Dieu de lui donner l'argent. C'est-à-dire que l'argent, tu nous rends un mauvais service. Aujourd'hui, je me suis promené en Afrique. J'ai vu qu'il y a des choses que plusieurs personnes ne comprennent pas. Un jour, il y a eu un papa. Il n'avait pas d'argent. Et puis sa femme était enceinte. Tout en revenant bonnement, il y avait des soldats qui faisaient la patrouille. Tout ça, c'est à cause d'argent. Le monsieur arrivait tout bonnement. Il a vu que de loin, il y avait des policiers qui faisaient la patrouille. Et puis qui arrêtaient tout le monde. La femme directement appelait le monsieur. Mon amour, est-ce que tu ne peux pas m'apporter la mangue? Le garçon a regardé après de lui. Il a trouvé un manguier. Directement, il a cassé le manguier. Qui a? Il a gardé la mangue à la poche. Il est arrivé là où il y avait la patrouille. Il a vu qu'on a arrêté tout le monde. Écoutez le policier. Hé, hey, monsieur, arrête-toi. Ce qu'il a, on va tirer ce qu'il a. Mais le monsieur, quand il a vu stupéfait, il a dit non. Mais si je laisse la chose comme ça, ces soldats vont se moquer de moi. Il a pensé qu'il avait la mangue à la poche. Il a dit, attention. Moi aussi, je suis militaire. Si vous vous approchez de moi, je de grenades ici, on va mourir nous tous. Écoutez les policiers. Vas-y, sors les grenades. Le monsieur a fait sortir la mangue. Il a coupé. Couché, il a jeté la mangue. Les policiers tous par terre. Couché. Et le général couché par terre. Ça va exploser. Le monsieur a fui à traverser. Écoutez, maintenant, on a présenté 5 minutes, il n'y avait rien. Écoutez le soldat. Mon général, ce n'est pas la bombe,
c'est la mangue. Écoutez le général. Non, mais moi je faisais les pompages. Tiens, pensons que moi je cru. Ça c'est le bon. Non, je savais. Tout ça c'est à cause d'argent. L'argent ça nous rend un mauvais service. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont devenus pasteurs, c'est à cause d'argent. Un jour un pasteur a été de prêcher. Mes enfants, tu vois, il ne faut pas avoir peur. Même s'il y a quelque chose, il ne faut pas avoir peur. Il y avait un chat enragé de ce côté-là. Il venait de mettre au monde. Le pasteur a dit le péché. Il ne faut pas avoir peur. Même si le démon apparaît comme ça, il ne faut pas avoir peur. Subitement, le chien là s'est fâché. Il est entré à l'église. Pasteur, la première personne. Le filet sont restés. Pasteur a fui. Mais le filet, mais pasteur, il est parti. Il avait dit qu'on n'ait pas peur. Deux minutes après, le chien est sorti. Le pasteur rentre tout essoufflé. Hein, mes fidèles, vous voyez, il n'y a qu'une seule vie. Si le ciel a me mort, je suis foutu. Je suis foutu. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est à cause d'argent. L'argent nous rend un mauvais service. Vous voyez que le front comme là. Il y a d'autres personnes qui se rendent aveugles même à cause d'argent. Combien de familles se disparaissent aujourd'hui à cause d'argent? Je connais encore une personne. Un pasteur dans le bus, il a commencé, il est tenté de prêcher. Bien aimé, si on te frappe à la joue gauche, donne aussi la joue droite. Maintenant dans le bus, il y avait un petit gamin là de 5 ans. L'enfant là, c'est un boxeur, hein, malgré son âge. Il a dit, pasteur, excusez, est-ce que je peux essayer sur toi? Vu que la mère de l'enfant connaît que son fils est boxeur, il a dit, non pasteur, refuse, non pasteur, ne laisse pas. Écoutez le pasteur, du fait qu'il avait vu beaucoup de gens. Non, maman, laisse-le me frapper. Ça va faire quoi? Or, quand le pasteur avait la carie dentaire, l'enfant est venu en présence de tout le monde. Il a donné au pasteur un bon coup de poing à la joue. Boum! Le pasteur, tout calme, il commence à trembler. Tout le monde dit, oui, pasteur, c'est ça la foi. Donne encore la joue droite. Le pasteur a mis la joue droite. C'est comme si l'enfant a mélangé tout le bras de sorcier qui se trouve en Afrique. Il a donné un bon coup de peau au pasteur. Boum! Tout le monde suivait, on attend la réaction du pasteur. Le pasteur commence à trembler. Il a couru l'enfant. Où est la mère de cet enfant? Si tu m'as tué, c'est toi qui vas élever mes enfants? Non! Si tu m'as tué, c'est toi qui vas élever. Oh pasteur, mais toi tu avais dit que si on frappe à la joue gauche, il faut donner aussi la joue droite. Il a semé un désordre catastrophique et il a fait que le reste puisse nous arrêter. À cause d'argent, il y a eu beaucoup de voleurs ici en Afrique. Un jour, je me promenais, je partais en ville, il y a eu un voleur. Il a attrapé le voleur. Il y avait un soldat, il a attrapé le voleur. Oh, monsieur, tu viens ici. Il a fait entrer l'argent dans la poche du voleur. Il a sorti l'argent. Les soldats mis à la poche. Il a dit, petit, va-t'en. Le petit voleur commence à partir. Après un temps, du fait que Dieu ne dort pas depuis qu'il est Dieu, on a sifflé, on a élevé le drapeau. Tiens, quand on a levé le drapeau, le soldat directement salue. Il est resté comme ça. Les voleurs ont vu que, hein, il y a le drapeau, je récupère mon argent. Le petit, tout bonnement, il arrive. Il fait entrer la main dans la poche du soldat. Écoutez le soldat, petit, n'ose pas, je vais te tuer. Oh mon vieux, tu vas rien faire, il y a le drapeau. Il a pris son argent et puis il est parti. Mais quand on a sifflé, dommage, total, déjà la personne était partie. Je suis qu'il est ici dans des tribus de Kinshasa. Je veux que si aujourd'hui les gens sont orgueilleux, c'est à cause de la poule. Mais oui, la poule. Mais demandez-moi comment. Dans l'ancienne époque, il y avait l'argent, car l'argent est apparu tout bonnement. On a acheté la poule. On a dit qu'on va distribuer dans tous les tribus de Kinshasa. Quand on a distribué, on a pris le coup de la poule, on a donné aux voisins. Ah merci, on a mangé la poule, on a goûté la poule, c'est bon. On a pris les épaules, on a donné aux jeunes filles. Ah merci, on nous a donné l'épaule. On a pris la poitrine de la poule, on a donné au papa. Ah c'est bon, on a pris le jambe de la poule, on a donné aux jeunes garçons. Et puis le dos qui est resté, on a dit qu'on donne à qui, on donne à qui. On a donné le vieux, on a donné le vieillard. Maintenant, quelles sont les conséquences? Est-ce que vous ne remarquez pas aujourd'hui, s'il y a des disputes en cours de route, quand les gens se battent, tu vas voir toujours les voisins comme ça. Qu'est-ce qui se passe là-bas dehors? Mais c'est quoi? On a tué quelqu'un? Le coup, pourquoi ils ont mangé le coup de la poule? Regardez le jeune fille aujourd'hui, quand il se chamaille. Non! Ne te manque pas de moi! Est-ce que tu me connais? Pourquoi il faut le mettre comme ça? Parce qu'ils ont mangé l'épaule de la poule.
Regardez le jeune garçon. Quand il met la nourriture, c'est peu. C'est ce qu'est la nourriture. Ah, dégage, je ne peux pas manger. Parce qu'ils ont mangé le pied. Regardez maintenant le papa. Tu vois, le papa, quand il y a deuil. Eh bien, à tout, c'est moi qui vais faire les dépenses. C'est moi qui m'en charge de tout. Pourquoi? Parce qu'il a mangé la poitrine. Mais regardez le VA. Le VA, c'est toujours comme ça quand il se lève le matin. Benoît, est-ce que tu ne veux pas me mettre l'eau à la douche là? Parce que le dos, ça ne travaille pas. Pourquoi? Parce qu'il a mangé le dos. Tout ça, c'est à cause d'argent. L'argent, tu nous as rendu un mauvais service. Alors, pour nous éloigner de toi, il faut qu'on te cherche. Je t'ai cherché, je t'ai cherché, je t'ai blanchi, noirci à cause de toi. Je me décide alors de ne plus te donner confiance. C'est à cause de toi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'escrocs à cause de toi. Je me décide de te brûler. Parce que si je te brûle, tu auras une bonne leçon. Tu vas comprendre que dans la vie sans toi, les gens aussi peuvent vivre. Mais est-ce que sans Jaja, quelqu'un peut vivre? D'accord, je vois quand c'est lui. Voilà, je t'appelle comme ça. Comme ça. Bon.